Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous en avez deux pommes et le lait, je vous propose de préparer cette merveilleuse recette en quelques minutes. Tellement bonne, très légère, sans cuisson au four, facile et très rapide à faire. Alors je vais commencer par râper une pomme, après avoir l'épluchée. Ensuite, je mets la pomme râpée dans une casserole. J'ajoute 2 ml de lait. Puis 3 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de maïzena. Et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre, et c'est selon le goût. Et pour parfumer ce dessert, je rajoute la cannelle, ça donne un très très bon goût. Vous pouvez ajouter à la place la vanille si vous voulez. Je mélange bien, puis je mets le tout sur feu moyen, sans cesser de remuer. Jusqu'à l'épaississement du mélange. Et en dernier temps, je rajoute une cuillère à soupe de beurre. Ça donne un très bon goût et la consistance crémeuse. Voilà, elle est prête. Maintenant, je vais éteindre le feu. Je verse la crème dessert dans ces verrines. Puis je la laisse tiédir sur ce plan de travail avant de la mettre au frigo pour le refroidissement. Pendant ce temps, je vais préparer une pomme caramélisée à la poêle. Alors, comme vous voyez, je l'avais mis dans cette poêle. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre, une autre de beurre et la cannelle.
Voilà, je vais la faire caraméliser sur feu élevé pendant quelques minutes en remuant dans ton ordre. Ici, c'est facultatif, j'ai rajouté les petits noix coupés en petits morceaux pour le côté croustillant. Et voilà, après le refroidissement, je la verse au-dessus de crème des œufs. C'est vraiment tellement, tellement bonne cette crème dessert aux pommes caramélisées. Je vous invite à la tester. Très facile, très rapide à faire quand vous avez suivi, avec très très peu d'ingrédients. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Vous trouverez bien sûr d'autres et divers choix de ce genre de recettes sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. N'hésitez pas aussi à visiter ma page Facebook. Vous trouverez de nouvelles recettes, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des questions, des suggestions à propos des recettes, dites-moi en commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine.